Got gun. Hulk left slot. Dixie left. Key left. Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha. We're going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 312 du podcast Jeune Actuel Amatei. Très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire des matchs NFL. À mes côtés cette semaine, il y a Grégory Richard. Grégory Richard, bonjour. Salut Alain, bonjour à tous. Le podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris cette année encore. Tous les dimanches, c'est au Hard Rock Café Paris que ça se passe pour les matchs à partir de 19h. Soirée Game On, Happy Hour pour tous ceux qui viennent voir les matchs. Beer Bucket avec 6 bières pour le prix de 5. Et évidemment, les rencontres ne ratées. Pas ça. Deshaun Watson, Russell Wilson et la défense des Niners en grande forme cette semaine. Londres, tous les matchs de la semaine 6. Vos questions, le répondeur, vous avez l'habitude. C'est parti pour un nouveau débrief. Malcolm Brown is stopped on fourth down and one in the 49er defense hold. Running from the 15, play action, and Goff is going to go down around the 5-yard line. Solomon Thomas. Rams 7, 49ers 20, c'est la performance défensive de la semaine. Les 49ers ont limité les Rams à 157 yards au total, 0 sur 9 en 3ème tentative, 0 sur 4 en 4ème tentative, 78 yards seulement à la passe pour Jared Goff et 4 sacks pour les Niners. Est-ce qu'on est, Grégory, désormais face à une des meilleures défenses de la NFL à San Francisco ? Bah, très clairement, en tout cas... Face à une défense qui a très clairement élevé son niveau de jeu par rapport à la saison passée, où le coordinateur défensif Robert Saleh était notamment extrêmement critiqué. C'est ça, peut-être paraître un peu moqueur, mais j'ai presque envie de dire, à force de bazarder des premiers tours sur des linemen défensifs, enfin on arrive à mettre suffisamment de pression du côté des Niners. Et on voit que, oui, notamment, en parlant de progression, il y a notamment un rookie comme Nick Bosa qui commence à se développer. Sa complémentarité avec Dee Ford a été assez intéressante. Après, si tu me permets un petit bémol, c'est vrai qu'ils viennent d'enchaîner Cleveland et Los Angeles à 2 semaines de suite, où c'est vrai que c'est 2 attaques avec beaucoup de beaux noms sur le papier, mais ces 2 attaques également, on a des lignes offensives qui posent quand même beaucoup de questions depuis le début de la saison. Donc, je dirais que très clairement, il y a une progression, mais qu'il faut quand même, malgré ce, je pense, attendre une confirmation au fil des prochaines semaines. Après, il faut quand même le faire. Tu l'as dit, Dee Ford, et donc Dee Ford qui n'était pas drafté, hein, tu as dit drafté, mais Dee Ford, c'est une signature free agent. Il y a Solomon Thomas qui, lui, a été drafté et qui marche enfin, parce que donc, Solomon Thomas, Arik Armstead, des Forest Buckner, hein, les années d'avant Nick Bosa. Donc c'est vrai que ça a fait du monde au bout d'un moment. Il y a des plaquages pour perte. Il y a 1,5 sac pour Dee Ford sur ce match, 1 sac pour Solomon Thomas. Il n'y en a pas pour Nick Bosa, mais il a été présent, évidemment. Des plaquages pour perte pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a quand même du mieux. Comme tu le dis, les deux lignes offensives sont pas folles sur ce qu'ils ont fait ces derniers temps, mais il faut quand même battre Cleveland, il faut quand même battre, et je pense que il y a là où pour moi c'est significatif, c'est qu'il y a quand même une sacrée différence entre dire ils ont en effet profité d'une ligne offensive qui était pas folle et limiter les Rams à 78 yards à la passe. Oui, non, non, mais coup, c'est quand même mais, pas anodin. Ah non, mais très clairement, moi je parle de la du côté pression. Après, c'est sûr que même quand la ligne offensive était capable de laisser un temps soit peu de temps à Jared Goff, même le backfield défensif, qui était là, pour le coup, vraiment, je trouve, la plus grosse faiblesse de San Francisco l'année dernière, là, très clairement, on la sent beaucoup plus tranchante, avec des joueurs qui, déjà, traînent un petit peu moins des problèmes de blessures. Je pense, par exemple, à Jimmy Ward. On a Richard Sherman, qui a l'air enfin d'être... qui a l'air d'être moins... Alors, l'année dernière, je ne sais même pas s'il était à 50%, mais en tout cas, voilà, forcément, il était un petit peu à l'image de cette défense contre la passe, clopin-clopin. Là, très clairement, on a vraiment une escouade qui est assez complète, et j'oublie même presque le deuxième rideau où il n'y a pas les noms les plus séduisants, mais où un joueur comme Warner, un joueur comme Alexander notamment,
sont assez solides aussi. Donc très très clairement, c'est vrai que c'est une défense qui, sans des énormes noms, tout est relatif, mais en tout cas là encore, à l'instar de ce qu'on pouvait dire sur d'autres franchises, sans forcément un nom qui sort du lot, arrive à être assez homogène, à être assez complète, notamment contre la passe, avec les deux dernières attaques qui viennent d'affronter. Disons que Nick Bosa est en train de devenir ce nom-là, peut-être aussi pour eux. Et puis après, bon, il y a quand même, tu l'as dit, Richard oui, Sherman, il y a quand même, Jimmy Ward. Il y a Buckner également, c'est vrai. Mais il y a bon, Buckner aussi. Voilà, ça alterne, on dirait, au fil des sorties, quoi. Et là où c'est très solide et où il semble avoir la recette d'une reconstruction réussie, c'est que il y a une défense solide et il y a une attaque qui gère bien les passes, mais qui est principalement orienté à la course, 41 courses pour 33 passes dans ce match. Donc ça ressemble quand même à la recette gagnante, on le voit beaucoup ces dernières années, d'une bonne reconstruction. C'est défense solide et attaque avec une ligne solide pour le coup et de la course principalement pour mettre à l'aise le quarterback, quoi. Oui, très clairement, surtout que si je me trompe pas, les Rams marquent d'entrée. Donc déjà, ça aurait pu mettre une petite pression sur l'attaque de San Francisco, surtout quand on sait que défensivement, ces dernières semaines, les Rams, c'était peut-être un petit peu plus. Et là, en l'occurrence, sur ce match-là, on les a sentis quand même beaucoup moins apathiques que ce qu'on avait pu voir contre Seattle ou contre Tampa Bay. Et pourtant, voilà, tu l'as dit, il y a eu quand même, malgré tout, sur le début de match, une assez bonne alternance. Et puis San Francisco a réussi à faire la différence petit à petit, avec un Jimmy Garoppolo assez solide, malgré son interception qui intervient assez rapidement. Donc non, très clairement, je le dis depuis le début de la saison, c'est vrai que là, pour le coup, le jeu au sol fait pas des énormes stats, mais Jimmy Garoppolo, qu'on présentait comme le possible point faible de cette attaque, on va dire, avec le jeu aérien en général et les receveurs écartés, pour l'instant, ça a l'air de largement tenir la route. Et puis quand on voit en plus un George Kittle qui marche sur l'eau depuis le début de la saison, pour l'instant, il y a beaucoup de voyants qui sont verts, en tout cas offensivement, en Californie. Ils sont favoris de la NFC West ? Bah, pour moi, oui, ils commencent à l'être de plus en plus. J'attendrai de voir Seattle qui se fait un petit peu quelques maux de tête. On aura l'occasion d'en reparler, j'imagine, un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air un poil plus fringant encore de ce qu'on peut voir de Seattle, un peu moins irrégulier peut-être sur 4 cartons. Maintenant, voilà, ils ont réussi un premier test d'envergure, je trouve, face aux Rams. On sait que j'étais déjà assez réservé sur le niveau de Los Angeles depuis le début de la saison, donc c'est aussi, c'est pas juste le simple fait de dire que San Francisco à 5-0 c'est surcoté. Je m'attendais et j'espérais de leur part un meilleur niveau. Maintenant, avec Seattle, je pense qu'ils vont se tirer la bourre pour éventuellement mettre la main sur cette NFC Nord et la double confrontation, la NFC West, pardon. Ouais, et la double confrontation va être assez intéressante à suivre. Pardon. Va falloir attendre un peu hein, pour ceux qui sont impatients. La double confrontation, c'est semaine 10 et semaine 17. Hein, donc on n'y est pas encore. On a encore 3 semaines entre deux avant le premier match. Les Rams, c'est la première fois qu'ils perdent 3 fois de suite depuis l'arrivée de Sean McVay. Et on l'a dit, la ligne offensive a du mal. Est-ce que c'est la réponse à toutes les questions ? Est-ce qu'on dit c'est la ligne offensive et tant que ça revient pas ? C'est la réponse à toute l'équipe. Bah, le problème, je te dis, c'est malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu global. Alors, je vais pas reprendre le terme de la fameuse gueule de bois dont on parlait, parce qu'en effet, les Rams sont quand même bien commencés. Ils étaient à 3-0 mais... pour commencer. Ouais, mais ils gagnaient au raccro quand même. On l'avait beaucoup dit qu'ils gagnaient moche. C'est ça, mais ils commencent avec un déplacement à Carolina, où même si, bon, Newton a toujours ses petits problèmes de blessure, même si les automatismes en défense n'étaient pas encore trouvés. Ils vont quand même aller chercher ce match-là, mais c'est vrai que bon, tu restes malgré tout, je trouve, avec un quarterback qui pose encore beaucoup de questions d'un point de vue mental. Et forcément, quand son environnement est pas optimal, avec un Todd Gurley qui, sauf erreur de ma part, je ne joue pas ce week-end, avec une ligne offensive qui, en effet, au fil des semaines, n'est pas bonne, avec une défense qui forcément te laisse moins la possibilité par rapport à ces dernières années. Te laisse une marge un peu moins importante ou en tout cas te met un peu plus de pression pour te forcer, on va dire, à aller chercher la victoire. Voilà, on sent que là les effets post-Super Bowl ils sont presque décuplés et que offensivement avec une O-line un petit peu en déliquescence et un quarterback un peu dans le doute, c'est sûr que c'est des questions, mais très, comme depuis l'arrivée de Sean McVay, hein, de toute façon je pense que cette équipe vit et meurt par l'attaque et que là très clairement l'attaque est pas au niveau, mais avec une défense qui était un peu meilleure. Ça montre hein, l'importance des lignes quand même. Ils ont autorisé 12 sacks cette saison, ils sont dans le ventre mou, mais par comparaison, les Niners n'ont pris que 6 sacks cette année. Ils sont deuxième en NFL, derrière les Steelers d'ailleurs, qui sont premiers sur les sacks autorisés. Mais voilà, donc on avait un peu le contraste en tout cas à ce niveau-là. Les Rams, ça va être à suivre. Niveau d'inquiétude sur la qualification en playoff ?
très élevé. Je les vois toujours, selon moi, dans les 8, on dira, en NFC. Je pense qu'ils vont, quand même se tirer la bourre jusqu'au bout, parce que la NFC West reste quand même assez homogène et qu'il y a possibilité de, d'aller chercher des victoires face à leurs adversaires bien placés. Mais bon, je ne serais pas étonné pour le coup de ne pas les voir dans les 6. Je suis quand même assez pessimiste de ce que je vois ces dernières semaines. Ouais, ça me semble de plus en plus compliqué. En tout cas, ce sera à surveiller, mais cette ligne offensive fait assez peur pour la suite. Browns 28, tiens, en parlant de problème de ligne offensive, Seahawks 32, 9 minutes à jouer. Les Seahawks sont menés de 4 points, pas de soucis, 79 yards remontés en 5 minutes 32, touchdown au bout. Russell Wilson toujours aussi décisif. Derrière, la défense intercepte Baker Mayfield pour la troisième fois du match. Alors, on va revenir sur Mayfield, mais on a beaucoup parlé de lui et de l'attaque. Est-ce que la défense des Browns n'est pas aussi fautive pour ce début de saison très irrégulier? Ils sont dans le dernier tiers de la ligue sur les yards et les points autorisés. Ils font le taf au niveau des sacks, il y a 19 sacks au total, ils sont très hauts, ils sont 4e en NFL, en couverture aussi, mais ils se font marcher dessus, 154 yards par match. Il n'y a que les Chiefs, les Dolphins et les Bengals qui font pire dans la ligue. Oui, ça j'avoue que je suis un peu étonné, je m'attendais à des difficultés au niveau du secondary, et c'est plus sur le deuxième rideau que ça a l'air de poser problème. Donc oui, sans doute une... Pourtant, c'est assez étonnant parce que Steve Wilks, qui est le coordinateur défensif à Carolina, je pense que le run stop, il connaissait un peu. Après, c'est sûr que, a priori, d'un point de vue de talent, il leur manque peut-être ce joueur capable de vraiment être efficace, d'être cette tour de contrôle, on dira, défensif de Cleveland dans ce domaine-là. Et ça coûte relativement cher. Je parlais de la pression qui est mise après sur le quarterback. Bon, alors là, je sais pas si le problème est inversé, mais bon, je trouve que c'est aussi là sur ce match-là les prestations offensives qui ont aussi mis un peu plus de pression sur la défense. Mais bon, voilà, après tu joues Seattle. Au niveau du jeu au sol, je pense que les Seahawks, c'est pas le seul match où ils vont performer, mais malheureusement pour Cleveland, c'est sûr que ça devient une mauvaise habitude semaine après semaine. Et en attaque, on en revient à Mayfield, mais on en revient, j'ai l'impression, souvent aux mêmes choses. Pour l'instant, beaucoup de pénalités, beaucoup d'indiscipline, les signes d'une jeune équipe et d'un jeune coach. J'ai l'impression qu'on en revient toujours à ça. Oui, non, mais très clairement. Moi, pour le coup, j'avoue que j'en perds un peu mes mots concernant Cleveland, parce que oui, malheureusement, il y a toujours cette indiscipline chronique. Là, pour le coup, la ligne offensive, je vais pas anticiper un peu, hein, mais la ligne offensive, elle a quand même été assez solide. En tout cas, moins catastrophique que ce qu'on pouvait voir. En tout cas, d'un point de vue sac, elle a permis à Baker Mayfield d'avoir un minimum de temps. Mais bon, après, il y a toujours ces petits errements à corriger. Il y a quand même 9 pénalités, même si Seattle en prend un peu plus. Donc, il y a des éléments très très clairement à corriger. Mais bon, sur ce match-là, c'est même pas spécialement la ligne offensive que j'incriminerais plus particulièrement. Les Seahawks, c'est très fort, 170 yards au sol sur 38 courses. Russell Wilson a 2 touchdowns, 0 interception, 295 yards. Russell Wilson est à plus de 100 d'évaluation sur tous les matchs cette année pour l'instant. 6 matchs, 6 fois à au moins 100 d'évaluation. C'est équilibré, ils ont montré qu'ils peuvent revenir parce qu'ils étaient quand même menés 20 à 6 dans ce match. Le point noir, c'est la perte de Will Disley qui se blesse au tendon d'Achille. C'est vraiment le gros point noir de ce match parce que Disley, c'est 23 réceptions et 4 touchdowns déjà cette saison. Oui, je me demande s'il n'a pas été meilleur receveur en termes de yards des Seahawks sur au moins 2 matchs cette saison. Donc oui, c'était devenu très clairement la soupape de sécurité de Russell Wilson plein centre, et il va falloir quand même réussir à trouver un tight end au moins suffisamment performant ou capable d'attirer les défenses adverses pour libérer des brèches pour Lockett et Metcalf, ce qui était parfaitement capable de faire Disley. Et puis bien entendu, je parle de son impact au niveau de la réception. Voilà, il y a forcément également le jeu au sol sur lequel il pouvait contribuer d'un point de vue bloc qui sera prépondérant. Donc quand on sait en plus que la ligne offensive de Seattle reste la ligne offensive de Seattle, perdre un tight end aussi bon à la réception que sur le bloc, c'est sûr que ça va pas être une mince affaire pour lui trouver un suppléant. Bon, il est en semaine 10, on a dit, mais si ça joue demain, tu prends les Seahawks ou les Niners? Ça dépend où ça se joue. Ça dépend où ça se joue, mais... Terrain neutre. Réponse de Normand. Je te dirais quand même là, tout de suite, d'un point de vue expérience, j'irais quand même plutôt vers Seattle, mais encore une fois, il y a beaucoup de points d'interrogation quand même. Faut pas oublier que c'est une équipe, je parlais tout à l'heure des petites irrégularités, de cette tendance à se créer des petits maux de tête.
ils ont quand même, par exemple, battu Cincinnati à l'arrache en première semaine à domicile, quoi. Donc, c'est une Ouais, équipe pour l'instant qui a du mal en plus à créer de la pression. ouais, C'est j'ai assuré. presque envie de dire que Seattle est plus homogène, mais que San Francisco est plus homogène, mais que Seattle a le meilleur joueur avec Russell Wilson. Donc Oui, bah c'est ça. ça Et fait un puis, beau bon, voilà. match. Voilà. Et puis, Seattle, il y a toujours ce côté un peu. On va dire fantaisiste, où de toute façon il peut se passer absolument n'importe quoi, n'importe quand. Donc voilà, il y a ce petit degré de folie supplémentaire que n'ont peut-être pas encore les 49ers et leur inexpérience relative. On passe en AFC, Chiefs 24, Texans 31. Deuxième défaite de suite pour les Chiefs. Deuxième fois qu'ils ne marquent pas 25 points. Est-ce qu'on s'inquiète? Bah quand même un petit peu. Quand même un petit peu, parce que, ok, d'accord, c'est vrai qu'on avait souligné contre Indianapolis, par exemple, les soucis physiques que pouvait avoir Patrick Mahomes, et en l'occurrence, le bon travail défensif des Colts ce jour-là. Bon, là, en l'occurrence, certes, défensivement, Houston a quand même été assez appliqué, mais c'est vrai que par deux matchs à domicile contre des équipes qui semblent malgré tout à ta portée, même si je pense qu'on avait affaire à deux candidats pour les playoffs au niveau de l'AFC Sud. Ça interroge quand même un petit peu. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas de jeu au sol pour mettre un petit peu moins de pression sur Mahomes. On continue de sentir quand même que ses déplacements sont pas optimaux. Après, il récupère quand même Tyreek Hill, qui est censé être son receveur numéro 1, qui marque en plus un TD, même s'il est un petit peu arraché, on va dire. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que ça peut quand même être source d'inquiétude, je pense, du côté de Kansas City, une équipe qu'on présentait comme la seule capable de vraiment concurrencer les Patriots au niveau de l'AFC. Après, il n'y a pas de secret, hein, c'est le MVP, mais la ligne offensive donne quelques signes de faiblesse en ce moment, ça se répercute sur le jeu au sol, ça se répercute sur le fait qu'il prend des coups et qu'il a la cheville un peu amochée et que donc ça le gêne un peu. Et malgré tout ça, il y a quand même 3 touchdowns. Donc c'est quand même pas non plus. Il y a des équipes qui seraient contentées de cette performance offensive là. Hein. On est sur des standards très très hauts quand on parle des Chiefs. Donc un peu inquiet pour ça. Et puis surtout, leur défense est toujours en galère. Ils sont loin, loin, loin derrière les meilleures équipes de la ligue sur les yards autorisés. Les seuls qui font pire aujourd'hui en yards autorisés dans la ligue, c'est les Giants, les Lions, les Cardinals, les Bengals et les Dolphins. C'est pas forcément la compagnie avec laquelle tu veux être quand t'es prétendant au titre. Donc ça, c'est clairement un des signes d'alerte Non mais, et t'as l'impression qu'ils évoluent pas sur ce point-là par rapport à l'an dernier. très clairement, et d'ailleurs, ça aussi, j'en ai pas parlé, mais ça rejoignait quand même un petit peu ce qu'on avait pu voir contre les Colts. C'est-à-dire qu'il y a aussi une gestion, un contrôle du ballon qui était assez optimal pour Houston. À l'image d'ailleurs de leur dernière série où ils monopolisent le ballon pendant les 5 dernières minutes pour vraiment assurer leur succès. Si défensivement, t'as pas une équipe capable de rendre le ballon à Mahomes dans des moments un peu plus chauds, c'est sûr que ça va être assez compliqué tout au long de la saison. Ils gardent le ballon 40 minutes, les Texans, sur ce match. Donc, clairement, si le plan de jeu c'est de priver Mahomes de ballon et que t'as pas de défense pour lui rendre, comme tu disais, bah, ça fait 192 yards et 3 touchdowns au sol pour Houston. Donc ça, c'est évidemment mortel pour les Chiefs. Par contre, il faut reconnaître à cette équipe de Houston, elle, qu'elle progresse. La ligne offensive commence à ressembler à quelque chose. Pourtant, ils n'ont pas de bol encore avec les blessures. Deux matchs de suite sans se faire saquer pour Deshaun Watson. Et il joue superbement bien. Pour moi, c'est le troisième homme dans la course au MVP derrière Wilson et Mahomes. Hein. Avec McCaffrey allez, partage Oui, de marche. après, oui, Watson, encore une fois, moi, c'est vrai que ça reste assez solide parce qu'avec les cibles qu'il a, en plus, je trouve qu'il y a une connexion qui se fait au fil des semaines, notamment avec son tight end Darren Fells, quand on sait que le poste de tight end était présenté comme un possible point faible de cette attaque de Houston. Je trouve qu'il s'en sort plus que correctement depuis le début de la saison à ce niveau-là. Après, je le disais la semaine dernière de manière un peu critique, hein, c'est pas vouloir m'acharner sur Houston, c'est la vérité du jour même sera peut-être pas celle du lendemain, donc c'est toujours la même Ah chose. ouais, J'attends mais d'avoir un peu plus de confirmation, mais là en tout cas, dis-moi. je trouve que tu tempères beaucoup cette année parce que là déjà pour les Niners tu me disais Non. oui mais bon les Rams la ligne c'est les Rams et là ils ont quand même battu les Chiefs Mais je oui, vois mais pas ce que tu t'es. veux comme confirmation de Ben non, mais plus. en fait, si tu veux, alors c'est peut-être, encore une fois, c'est peut-être une peur de pas vouloir trop se mouiller, mais si tu veux, on est dans une ligue qui est tellement homogène. Si tu veux, Houston, ils sont capables de te bluffer en accrochant New Orleans dans les dernières minutes, en allant gagner de manière convaincante chez les Chargers, et là encore plus sur le terrain des Chiefs, une équipe qui, comme je disais tout à l'heure, est attendue comme un des principaux favoris dans la AFC. Et puis, ils sont capables de perdre des matchs largement à leur portée, type Carolina à domicile. Donc c'est vrai Il y a cette donnée où tu sais pas trop exactement comment considérer cette équipe du Houston. Après,
Moi, je te le dis, hein, voilà, Deshaun Watson fait son match. Ça aurait même pu être un avantage encore plus confortable pour les Texans, sachant qu'il se fait intercepter, je crois que c'est en fin de troisième quart, début de quatrième. Il a deux ballons perdus et c'est ça que je trouve. Les stats sont pas forcément hyper impressionnantes, mais je trouve qu'il fait le taf et qu'il mène bien son, cette équipe, cette attaque. Enfin, il y a une vraie bonne impression visuelle. Pour moi, c'est un, c'est un franchise quarterback légitime, probablement dans le top 10 maintenant à sa position. Je veux pas dire de bêtises en. En oubliant peut-être, mais je pense qu'il est aisément top 10 maintenant. Et si tu regardes, alors c'est peut-être de l'enflammade, mais c'est pas. Je vais essayer de modérer parce que je voudrais pas en dire trop. Mais est-ce que dans cette conférence AFC, je vais modérer comme ça, est-ce que dans cette conférence AFC qui au final n'a quand même pas énormément de cadors, en tout cas un niveau en haut qui est moins fou qu'en NFC? Est-ce qu'au final, cette équipe de Houston, c'est pas loin d'être une des plus complètes derrière les Patriots? Parce que les Chiefs sont quasiment, ont très peu de défense, ont une très mauvaise défense. Les Texans ont une défense décente, ils ont maintenant un quarterback, ils ont une ligne qui commence à tenir, ils ont un jeu au sol qui commence à se mettre en place, et ils ont DeAndre Hopkins, Will Fuller une semaine sur deux. C'est pas loin d'être une des équipes les plus complètes en AFC derrière les Patriots. C'est là où je te rejoins à moitié, c'est que oui, défensivement, le quarterback ils l'ont, les cibles encore une fois, parce que pour le coup, ils gagnent des matchs ces dernières semaines, mais sans un DeAndre Hopkins énorme en plus, hein, donc c'est bien la preuve qu'ils sont complets, qu'ils sont capables d'aller gagner des matchs, peu importe le registre qu'ils ont besoin d'utiliser. Mais moi, je te dis, c'est surtout, tu vois, tu cites ta ligne offensive, c'est encore un truc sur lequel je reste. Assez sceptique, le jeu au sol c'est pareil, même si avec Carlos Hyde et Duke Johnson, je trouve que c'est un duo assez dynamique au niveau du backfield offensif, et c'est juste là-dessus. Très clairement, si tu me poses la question aujourd'hui, la même question que tu m'as posée par exemple pour notre équipe tout à l'heure, pour moi Houston aujourd'hui, j'en fais très clairement une équipe qualifiée en playoff à la fin de la saison régulière. Si tu me demandes si je les vois vainqueurs de la AFC Sud, j'ai encore des réserves. Pour moi, ça se joue au coude à coude avec les Colts. Non, mais c'est. Oui, je vais remodérer encore plus comme ça. Sur le papier, après, elle a besoin en effet de faire des progrès dans la régularité, dans ces choses-là. Je parlais surtout papier effectif à l'heure actuelle. Du coup, j'ai du mal à voir des choses plus complètes derrière les Patriots. Encore une fois, cette AFC, elle est quand même assez compliquée. Hein. On en reparlera, mais il y a quand même un sacré boulevard pour New England, visiblement. Donc voilà, c'était surtout sur ce point-là. Mais évidemment, ils ont des progrès à faire dans la régularité, à confirmer la ligne, etc. Et ils auront un bon test d'ailleurs contre la défense des Colts la semaine prochaine. Donc ça, ce sera quand même pas mal face à une défense qui est bien coachée d'Indianapolis. Ce sera un bon test pour leur ligne offensive. Voilà pour l'AFC et ce match. On va passer après une petite pause à toutes les autres affiches. Hey, it's Hunter Renfrew from the Oakland Raiders and you listen to the Touchdown Podcast. When the days are short and the nights are long, and I want, and I want, I choose, and I choose, and I choose, and I choose. Les autres affiches de la semaine, et on va commencer dans la conférence NFC. Je suis désolé Grégory, j'ai bousculé un petit peu le programme que je t'ai envoyé, tu vas voir, c'est la loterie des matchs. On va commencer par Jets 24, Cowboys 22. Est-ce qu'on a vu les Cowboys trop beaux ou les Jets trop bas? Parce que c'était quand même la surprise de la semaine, alors il fallait qu'on commence par celui-là dans les autres matchs, je trouve. Là encore, je vais pas te faire une réponse de Normand, je pense un peu des deux. En tout cas, on a vu... Très clairement, même si on a pu être très critique avec Adam Gates depuis le début de la saison, on a vu ce que éventuellement la collaboration d'Arnold Gates pouvait donner, parce que le retour du quarterback des Jets, ça a l'air quand même d'avoir fait un grand grand bien aux New Yorkais. Mais alors, attends, moi on m'a dit tu les as jinxés, machin et tout. Moi j'avais pronostiqué qu'ils aient Darnold, pas Luke Falk. Donc voilà, Darnold il est revenu. Ça montre ce que je pensais en début d'année. Ils sont pas si mauvais. Robbie Anderson revit, Jamison Crowder contribue. Je dis pas qu'ils vont taper tout le monde toutes les semaines. Mais voilà, c'était l'équipe que j'attendais qui peut de temps en temps titiller un leader et qui va montrer des signes de progrès. Je dis pas qu'ils vont démonter. Tu m'as vendu une équipe qualifiée en playoff. Alors encore une fois, on le saura jamais vraiment avec la cascade de blessures qu'ils ont eu et qui a quand même d'années assez rapidement, même si une saison c'est long, hein. On a vu des équipes à 0-4, l'école c'était à 1-5 je crois en début de saison dernière, hein, donc ouais, et puis encore une fois attention, là ils jouent les Cowboys, mais encore une fois en AFC c'est pas la même limonade non plus, oui, tu vois, ils auraient pu s'en tirer s'ils avaient commencé comme ça dès le début de l'année.
Oui, et puis bon, ils vont jouer encore deux fois Miami, hein. Il y a de quoi se remettre dans le bon sens pour les Jets, on est d'accord là-dessus. Après, oui, les Jets, en tout cas, on a vu de meilleures choses, notamment offensivement. Ça pouvait difficilement être pire que ce qu'on avait vu ces dernières semaines, mais la ligne offensive a été un peu plus robuste, notamment sur le pass pro. Sam Darnold a réussi à bien se connecter avec Anderson et Crowder. Même Demarius Thomas, je trouve qu'il fait quand même des bons débuts avec les Jets depuis deux semaines. Après, c'est sûr que cette équipe de Dallas, très clairement, on a l'impression qu'elle est en plein doute. Défensivement, je parlais des errements la semaine dernière, mais il y a des joueurs qu'on a du mal actuellement à reconnaître du côté de cette défense texane. Van Der Esch, j'en parlais. Aouzier également, qui est en galère totale au poste de cornerback. Ça fait quand même des éléments. Et puis même le pass rush, DeMarcus Lawrence, je trouve, a un peu moins d'impact que ce qu'on connaissait de lui depuis son arrivée à Dallas. Donc il y a encore, je trouve, des clés à trouver défensivement pour Rod Marinelli et Chris Richard, parce qu'ils ont clairement été exposés sur ce match-là. Après, le gros souci, c'est aussi l'absence des deux tackles titulaires. On avait parlé à une époque des absences d'Ezekiel Elliott et que les stats de Dak Prescott baissaient, mais les baisses de stats de Prescott, elles correspondent souvent surtout aux absences des tackles, et je pense que c'est ça aussi qui le met un petit peu en difficulté, et qui l'a mis en difficulté notamment dans ce match aussi. Donc après, c'est une équipe qui a eu un début de calendrier facile, donc ça se rééquilibre un peu. Là, ils en lâchent un contre une équipe face à laquelle ils sont censés être supérieurs, ça arrive en NFL. Ce sera à Philadelphie. Hein. Oui, et puis il y a des éléments, on va dire que d'un point de vue scénario, tout n'a pas été parfait pour eux. Il y a ce turnover and down qui les plombe un peu en première mi-temps. Ce field goal manqué également dans la foulée qui fait que tu te retrouves à devoir tenter une conversion à deux points en toute fin de match. Encore une fois, hein, les Jets, on les a beaucoup critiqués depuis le début de la saison. Offensivement, tout a été. Et puis défensivement, Jamal Adams a encore fait le boulot avec des jeux clés quand il fallait les faire. Alors juste pour la stat, je remercie Loïc qui m'a envoyé ça. Depuis 1991, il y a eu 91 matchs en NFL où une équipe a gagné sur le temps de possession, le total de yards, sur les turnovers, qui a réussi à gagner 25 first downs, qui a converti au moins 10 troisièmes tentatives. Et donc avec tous ces avantages-là, ça faisait 90 victoires, 0 défaites, et les Cowboys ont réussi à perdre malgré tous ces avantages-là. C'est la seule équipe qui a réussi à perdre malgré le fait qu'elle a gagné le temps de possession, le total des yards, la bataille des turnovers, qu'elle a eu 25 first downs, qu'elle a réussi au moins 10 troisième tentative. Voilà, c'était pour la petite stat NFL. Et juste pour les jinxer jusqu'au bout, le calendrier des Jets. Alors, ils vont prendre les Patriots, donc ça va retomber sur terre, hein, normalement, la semaine prochaine. Derrière, il y a Jaguars, Dolphins, Giants, Redskins, Raiders, Bengals, Dolphins, Ravens, Steelers, Bills. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 matchs. Si j'ai des jinx, je dis qu'ils peuvent en prendre 8. D'accord. Ouais, bon. Plus sérieusement, s'ils en prennent au moins 5, je pense que ça sera très bien pour finir la saison sur des bonnes bases. Plus sérieusement, 6 ou 7. Vikings 38, Eagles 20, 7 réceptions, 167 yards, 3 touchdowns pour Stephon Diggs. Tout va mieux. Kirk Cousins a réussi un gros match avec 4 touchdowns. On dit merci les cornerbacks des Eagles, ou on dit Kirk Cousins va mieux? Bah, manifestement, oui, non, Kirk Cousins, ça a l'air d'aller mieux, hein. C'est déjà ce qu'on avait vu le week-end dernier face aux Giants. Peut-être que les commentaires d'Adam Thielen, c'était peut-être le coup de pied aux fesses dont avait besoin le quarterback des Vikings. Après, cette équipe des Eagles, c'est toujours un gros point d'interrogation, parce que, on le dit assez souvent, on a l'impression qu'il faut qu'ils attendent la fin de la saison régulière pour être dos au mur, pour se dire, finalement, il y a une saison, il y a un Super Bowl à aller chercher. Là, ils se sont fait ouvrir pendant une bonne partie de la rencontre, un petit sursaut d'orgueil par la suite, mais bon, c'est déjà trop tard, quoi. Et puis, des appels de jeu un peu téléphonés de Doug Peterson qui n'ont pas été payants à l'image du fake field goal. Bon, ouais. Malheureusement, ça fait un peu beaucoup, et j'ai la sensation que Carson Wentz reste toujours un petit peu seul dans cette attaque des Eagles, avec un backfield défensif qui est de l'autre côté, et aux abonnés absents. Et puis après, ils prennent quand même très très cher contre la passe, hein. Ils sont au fond du classement. Ça risque d'être quand même ce qui va flinguer leur saison, a priori, tôt ou tard. Buccaneers 26, Panthers 37. Alors, à un moment, on s'est dit c'est un match important, il faut en parler dans les matchs de la semaine. Et puis après, je t'avoue que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Jameis Winston, qui a perdu 6 ballons, la dernière interception, on l'a vu venir à 1000 km en fin de match, hein, le dernier drive, il s'est lancé, évidemment, on s'est tous dit, bon, bah celle-là, c'est pour quelqu'un d'autre. Alors évidemment, il est sous pression, hein, les Panthers en sont à 23 sacks sur les 4 derniers matchs, donc ils sont quand même sacrément en feu à ce niveau-là, très bien, mais Jameis Winston, là, faut abandonner, c'est fini. Même Bruce Arians, il peut rien, là.
Bah, tu mets qui à la place? Tu finis avec Blaine Gabbert jusqu'à la fin de la saison? Non, non, mais je veux dire, à l'intersaison, il faut changer. Ah oui, quoi, bah oui, bah oui, bah ça, après, oui, je pense que... De toute façon, il est dans sa dernière année de contrat, Jameis Winston, donc... Ah, bah en plus, bah très bien, voilà. Il me semble, hein, donc à un moment donné, je pense que... Bon, si la direction des Buccaneers se pose les bonnes questions, je pense que on va juger que pour vraiment atteindre un... Pour franchir un palier significatif, Jameis Winston n'est sans doute pas la solution. Mais bon, là, c'est clair qu'il leur coûte cher assez rapidement sur ce match-là. Et puis oui, la fin de match, ça a quand même été un petit festival. Ouais. Oui, ça a commencé dès le premier snap. Hein, interception sur le premier snap. Derrière, ils ont couru derrière le score. Ils se sont plus ou moins rapprochés, mais sans vraiment se rapprocher. Et puis, il les a flingués une dernière fois. Est-ce que, justement, pour se renforcer, les Buccaneers, tu crois qu'à l'intersaison, ils pourront faire un échange pour faire venir Cam Newton? Parce que Kyle Allen est toujours invaincu. Parce que Kyle Allen est toujours invaincu. 20 sur 32, 227 yards, 2 touchdowns. Toujours pas intercepté, je crois. Mais en tout cas, là, tu me poses une colle. Je vais vérifier. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a polémique? Est-ce qu'on s'en rapproche? Honnêtement, je pense que j'ai du mal à voir Carolina dire tout de suite à Cam Newton dès son retour: bon, écoute, mec, on va garder Kyle Allen parce qu'on pense qu'il y a plus de chances qu'on gagne avec lui qu'avec toi. Si Cam Newton est à 100%, je pense que les Panthers seront amenés à remettre Newton donc en tant que titulaire. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas avec Cam Newton C'est incroyable. Là, pour le coup, je pense qu'on peut avoir moyen de se poser la question, mais il y a un risque que ça casse éventuellement la bonne dynamique qu'ont actuellement les Panthers, parce qu'offensivement, voilà, c'est plus que complet, c'est plus que celui Kyle Allen. Il gagne pas forcément les matchs à lui tout seul, mais en tout cas, très clairement, il les perd pas. Et ça, c'est une donnée à prendre en compte dans la course à la NFC. 7 touchdowns et 0 interception. Quand on voit la tête qu'a fait Cam Newton en conférence de presse après avoir perdu le Super Bowl, imagine sa tête en conférence de presse quand on va lui retirer le poste de quarterback titulaire en milieu de saison. Ce serait incroyable. Packers 23, Lions 22, c'était dans la nuit de lundi à mardi. Victoire à la dernière seconde des Packers, bien aidé par les arbitres. On essaye de ne pas trop toucher le sujet arbitral en général, parce que sinon on pourrait y avoir des polémiques à chaque fois, et puis chaque supporter de chaque équipe va nous dire qu'il y a eu tel coup de sifflet oublié. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus quand même sur ce coup-là? Parce que là, il y a des erreurs qui sont quand même assez évidentes sur les mains au visage sifflées à Trey Flowers alors que c'est lui qui les prend en pleine poire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a plus d'erreurs qu'avant? Est-ce que c'est nous qui les voyons mieux parce qu'on a beaucoup plus d'angles de caméra avec les arbitres, ils ont toujours deux yeux? Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas s'il y en a plus, parce qu'il y en a, eu quand même, mais même avant le changement des règles, il y en a quand même eu certaines assez flagrantes, hein, les Packers en savent quelque chose. Il y a un petit match du côté de Seattle qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années de ça. C'était des arbitres intérimaires, ça oui, compte pas. Oui, oui, mais bon, en tout cas, En tout cas, bon, y a toujours eu des décisions, toujours un brin contestable. Après, c'est vrai que là, la question que je me pose, c'est que manifestement, vu le secteur dans lequel ça se passait, a priori, c'est le même arbitre qui a eu les deux fautes. Donc c'est lui qui ne connaît pas la règle, ou c'est lui qui a des problèmes de vue. Oui, je ne sais même pas comment il ne connaît pas la règle, parce qu'encore une fois, il siffle une main au visage à Trey Flowers, alors que Flowers, il a les mains sur les bras du mec, et que c'est l'autre qui a les mains dans la tête de Il pensait que c'était Green Bay il pensait que c'était Détroit qui attaquait, non? Oui, ou alors peut-être c'est ça, il a peut-être perdu un problème de sens d'orientation. Encore une fois, je ne sais pas. Mais après, ce qui est problématique, c'est que, comme tu le dis, c'est vrai qu'on a... C'est moche, je dirais, de commencer un match en accent sur les erreurs d'arbitrage. Après, les soucis avec ces nouvelles règles, c'est aussi ça, c'est que à vouloir être hyper rigoriste et à balancer des flags pour tout et n'importe quoi, bah forcément maintenant on s'attend beaucoup plus à on a une exigence qui est décuplée vis-à-vis des arbitres et des décisions qu'ils peuvent prendre. Donc là, en l'occurrence, quand c'est aussi flagrant et quand surtout ça arrive deux fois, je peux comprendre que du côté de Détroit, on fasse un peu la gueule, parce qu'au final, on prend 10 points sur des flags qui n'ont pas forcément lieu d'être. Et est-ce qu'on fait une ligue est-ce qu'on crée notre propre ligue avec une seule règle? Tant que la tête est attachée, on continue à jouer. Non. Je sais pas. Ils ont fait ça pendant plusieurs années en NFL, et je crois qu'il y en a quelques-uns qui ne s'en sont pas très bien remis. C'est vrai. Les Packers sont quand même bien limités, les Lions à 5 field goals. Il faut quand même mettre ça à leur crédit. Hein. Ils n'ont pris qu'un seul, un seul touchdown dans tout. Les Packers, Aaron Rodgers a été bon en fin de match. On l'a dit, avec l'aide des arbitres.
Ils ont été équilibrés avec encore un coureur à plus de 100 yards. Donc c'est pas une victoire imméritée pour Green Bay. Dans les stats, ils sont au-dessus, ils ont fait le taf, ils ont bien limité Détroit, mais c'est rageant. Mais il manque la finition quand même du côté de Détroit. Mais t'as presque tout dit. Honnêtement, c'est ça qui est presque dommage pour Green Bay, c'est que forcément, ils gagnent un match, comme tu le disais, avec une défense qui a plié sans rompre et en concédant des field goals malgré un début de match où bon, Matthew Stafford a quand même resté à bien se connecter avec ses receveurs. Mais voilà, ce qu'on va mettre en avant, c'est les erreurs d'arbitrage, alors qu'en effet, Aaron Rodgers fait son match. L'attaque, en règle générale, est montée quand même assez en régime, notamment en deuxième mi-temps. Et voilà, c'est un succès qui reste très opportuniste pour les Packers, dans un match de division qu'il fallait aller chercher. Et c'est dommage qu'on reste là-dessus, alors que la performance globale de Green Bay a quand même été assez correcte. Et où tu le disais, en revanche, c'est vrai que pour Détroit, ça commence à faire beaucoup de fins de match. Il y a eu Arizona notamment, il y a eu c'était quoi le dernier match, il y avait eu Kansas City également. C'est vrai que ça fait beaucoup de matchs, beaucoup de victoires en cours de route qui sont laissées par les Lions. Ça c'est un peu dommage, encore une fois, dans une conférence nationale très 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 relevée. Jaguars 6, Saints 13, un seul touchdown dans ce match. Les Saints continuent de gagner sans Drew Brees, surtout grâce à leur défense. Est-ce que Gardner Minshew est un peu retombé sur terre face à cette bonne défense de New Orleans? Il est à 14 sur 29, 163 yards d'une interception. Il a été bien privé de DJ Chark, qui était quand même sa cible prioritaire. Et ça a fait un match quand même plus compliqué pour Gardner Minshew, ce qui n'est pas honteux, il est rookie. Ouais, c'est presque ça qui est assez impressionnant avec cette équipe de New Orleans, c'est que on s'attendait à ce qu'ils bloquent le jeu au sol et Leonard Fournette. Ils ont presque été encore plus incisifs contre la passe, avec encore une interception d'ailleurs pour Marshall Lattimore au passage. Oui. Si je ne m'abuse, donc non, très clairement, c'est une équipe qu'il va falloir surveiller, parce que j'en parlais, en l'absence de Drew Brees, il y a un collectif qui est beaucoup plus soudé. Défensivement, ça monte en puissance. Et là, en l'occurrence, oui, ils ont bien étouffé Minshew. Alors, je ne sais pas si c'est forcément un match où Minshew retombe sur terre, hein, mais bon, là, pour le coup, il n'a pas été très très inspiré, et c'est vrai qu'on craignait un petit peu ce manque de cible du côté de Jacksonville. C'est sûr qu'une fois que DJ Chark est bien muselé, et il a encore bien été par les Timor, là en l'occurrence sur ce match-là, bah c'est sûr que les solutions sont pas multiples non plus du côté de la Floride. Teddy Bridgewater a une fiche propre, il a lancé le touchdown de la gang, mais c'est quand même beaucoup 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 moins rythmé, hein, quand même. Surtout quand Alvin Kamara est pas au top comme cette semaine. C'est ça, oui, bah son absence, en tout cas la polyvalence en moins, l'absence de polyvalence, je vais y arriver, qui n'a pas pu apporter à cette attaque de New Orleans, c'est forcément préjudiciable. Après, bon, bah on a improvisé un petit peu du côté New Orleans en utilisant un peu plus Latavius Murray, en utilisant Taysom Hill quand il fallait le faire. C'est sûr qu'on n'a pas la grosse prestation de Bridgewater qu'on avait vu contre Tampa Bay, mais bon, c'était un match en déplacement, un match où sa ligne offensive a été un peu plus bousculée, notamment avec, il me semble, au moins 3 sacs pour les Jags. Donc, bon, c'est toujours pareil, hein. On leur demande pas de gagner que des matchs de 40 points aux Saints en l'absence de Drew Brees, du moment qu'ils restent avec une fiche plus que positive, et là, c'est largement fait en attendant son retour. On passe aux Chargers Steelers. 17 pour les Chargers, 24 pour les Steelers. 3 ballons perdus par Philip Rivers, pas de jeu au sol. Une défense qui a souffert contre le sol, alors que les Steelers ont joué très prudemment avec Delvin Hodge au poste de quarterback. Tu m'as dit aussi, en préparant l'émission, faut parler de la... Alors, t'as dit désintégration des Chargers, ou je dis une bêtise? Non. J'ai dit ça, les problèmes des Chargers. Ouais. Non, tu m'as dit faut parler des problèmes des Chargers, non? Non, je me rappelle plus. Ah bah tu vois, je te prête des mots. Mais je vais vérifier quand même dans mon historique. Mais en tout cas, tu voulais parler des Chargers. Ouais, bah en tout cas, je sais pas si je voulais en parler plus particulièrement qu'une autre équipe, mais oui, non, bah en l'occurrence sur cette semaine-là, on a vu que. Attends, je vérifie parce qu'on va s'en prendre à moi après. Oui, il paraît que t'as des messages un peu énervés. Mais oui, alors du coup je vas-y. Alors oui, donc non, mais match compliqué, c'est match compliqué, on l'a dit, il y a des ballons perdus et Melvin Gordon, le retour par exemple, c'est pas une grande réussite. Non, mais bah moi de toute façon, ça me conforte de plus en plus dans le fait que, à mon avis, les Chargers ont essayé de leur fourguer avant la trade deadline. J'en suis quasiment persuadé, parce que très clairement son retour a eu un effet contraire, et je pense que ça en kikine plus qu'autre chose, je trouve, son
son retour de grève et on sent que offensivement il y a une carburation qui peut pas se trouver. Alors après, le principal problème du côté de Los Angeles, de toute façon on le connaît, c'est la ligne offensive qui a encore été catastrophique sur ce match-là. En plus, face à une défense des Steelers qui est capable de mettre la pression, ça a pas pardonné. Et je trouve que là encore, hein, Philip Rivers, bon. On peut en dire ce qu'on veut, mais forcément avec un jeu au sol qui est beaucoup plus en délicatesse et une ligne offensive qui est catastrophique, il va pas faire des miracles. Un début de match qui est manqué à l'image de toute son équipe et les Chargers qui se retrouvent assez rapidement à 20-0, donc à 21-0 pardon. Donc c'est sûr que, mais après là où j'ai un peu plus de mal, c'est que je voulais bien défendre cette défense des Chargers, mais comme tu l'as dit, quand tu te fais ouvrir au sol alors que tu sais très bien que le quarterback en face est pas capable de te sortir 350 yards, là ça m'embête un peu plus. Alors, il y a une ligne du côté des Steelers qui est meilleure que ce qu'on pouvait avoir en début de saison, mais je trouve que c'est pas une raison suffisamment valable pour cette équipe des Chargers de se faire ouvrir de la sorte, encore plus par Benny Snell, qu'on n'est pas quand même à son 30e ou 40e match NFL. Quoi. Alors, je précise, Grégory, 8h45, on peut parler des Niners si ça fait pas trop bon. Pour moi, ça me va. Il y a la situation des Chargers qui devient aussi inquiétante. Pardon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis pas fou. C'était pas aujourd'hui, c'est pour ça que ça me perturbait. Mais un message d'hier, donc du lundi, 14 octobre. Oui, donc je disais, j'ai écrit dans les leçons de la semaine que Philip Rivers était le Jameis Winston du riche. Alors déjà, c'est une expression et une punchline, on a le droit de se marrer un peu quand même. Et deuxièmement, du riche, ça veut dire qu'il est meilleur. J'ai pas dit c'est Jameis Winston, voilà. Donc deuxièmement, c'est parce que oui, il perd des ballons, Philip Rivers, que vous le vouliez ou non. Ça fait 7 en 6 matchs et ça fait 11 pour les Chargers au total depuis le début de l'année. Et Philip Rivers a tendance à perdre des ballons, qu'on le veuille ou non. Et cette équipe, elle a tendance, qu'on le veuille ou non, à laisser filer des matchs. Donc oui. Je dis pas que c'est les Buccaneers, je dis pas que c'est Jameis Winston, j'ai dit que c'est meilleur que les Buccaneers, c'est meilleur que Jameis Winston, mais il y a cette tendance quand même de temps en temps à se flinguer et à perdre des ballons, et là il en a perdu 3 dans ce match, donc je vois pas ce que, évidemment il est pas aidé, mais évidemment qu'il est pas aidé. On va dire que Jameis Winston, tu peux lui mettre le meilleur casting autour de lui, je sais pas s'il fera des miracles. On a vu que Philip Rivers, alors pour le coup ça arrive en début de carrière, donc voilà, mais quand il est bien entouré, bon, il est capable d'être assez solide. Et c'est vrai qu'on lui met peut-être un petit peu trop de pression sur les épaules. Il en a quand même toujours lâché, Philip Rivers. Moi, je veux bien qu'on ait le recul et tout ça, mais il a quand même toujours été un quarterback relativement pas avare sur les pertes de balles. Il a que 2 saisons en carrière où il a moins de 10 interceptions. Et remonte à 2009 et à 2006. Là, il en a déjà 6 cette saison, donc il va encore être au-dessus de 10. Il a des saisons à 21 et à 18 et à 20 interceptions. C'est un quarterback généreux. Je ne lui reproche pas. Les défenseurs ne lui reprochent pas non plus. Et c'est pas un mal. J'ai pas l'impression d'avoir blasphémé. Il perd des ballons, ça lui arrive. Je pense que c'est la comparaison. En effet, tu dis que c'est Jameis Winston du riche. En effet, il a style de jeu qui est assez risqué. Après, ça reste un top 10 quarterback ces dernières années de la ligue. Ça, on peut pas lui retirer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets également. Après, la comparaison paraît un peu extrême. Mais c'est le principe de faire un bon mot. Au bout d'un moment, on peut pas dire toute proportion gardée et faire 14 paragraphes sur dire selon une étude comparative. C'est un bon mot. Des fois, il faut être efficace dans l'écriture et il faut faire des paragraphes courts. Je vais pas faire 20 000 signes sur les leçons du week-end. Donc c'est un bon mot et ça me fait marrer de dire ça, et ça me fait marrer en plus de savoir que il y a des gens qui vont péter les plombs parce qu'ils prennent tout au premier degré. Donc voilà. Oui, c'est le Jameis Winston du riche au sens où c'est un quarterback qui a du déchet. Mais évidemment que c'est pas Jameis Winston. Je suis pas cinglé au point de dire que c'est Jameis Winston. Les Steelers ont été bien coachés, donc pour le coup, ils ont gavé James Conner de ballon, ils ont limité les risques, ils ont été opportunistes. Delvin Hodges, c'est pareil, j'ai vexé les fans des Steelers. Je vais faire un panorama cette semaine en mettant un titre en disant que les Steelers étaient en galère au poste de quarterback. Alors, Delvin Hodges n'a pu tenter que 4 passes de plus de 10 yards, il en a complété aucune et il en a mis une dans les bras de la défense. Donc oui, j'appelle ça être un peu en galère de quarterback quand on est à ton 3ème et que le 4ème il peut pas lancer à plus de 10 yards. Mais c'est pareil, c'est pas méchant contre lui, toute proportion. C'est une galère par rapport à la situation de base. Ah, c'est ça, et puis bon, voilà, tu t'attends pas en tant que fan des Steelers, je pense, hein, à moins d'être très naïf. Alors après, il va nous sortir un match à 400 yards la semaine prochaine, mais. Évidemment. Tu t'imagines pas non plus avoir un Devlin Hodges qui va te péter toutes les stats sur ce match-là, et en l'occurrence, voilà, il a même pas eu forcément besoin de le faire parce que le scénario a fait que tout a été plus simple pour Pittsburgh très rapidement grâce à la défense et au jeu au sol.
Mais voilà, bon, après, non, mais Rodolphe, après, Rodolphe, ça fait extraordinaire, ça... il a gagné des matchs aussi, donc... Après, ça fait partie du jeu. Je comprends que les fans défendent leur équipe. Il n'y a pas de souci. Ravens 23, Bengals 17, 236 yards à la passe, 152 au sol pour Lamar Jackson. Quatrième plus gros total à la course historique pour un quarterback. 388 yards pour Jackson, 250 pour toute l'attaque des Bengals. Ça me paraît bien résumé. Ça me paraît être une victoire logique. Ouais, pourtant, il y a 23-17, quoi. Oui, c'est serré. Ça, c'est sûr que c'est serré. Il gagne 23-17 en ayant annihilé l'attaque des Bengals, donc non mais ce que je veux dire, c'est que le score paraît un peu étriqué. Après, c'est vrai que Cincinnati recolle un petit peu sur la fin, donc bon, faut pas être. Je dirais qu'offensivement, Baltimore a été incisif d'un point de vue production en termes de yards. Maintenant, je pense qu'ils auraient peut-être du mieux. Ils auraient pu être encore plus, être encore plus décisif, on dira, vraiment réussir à mettre la tête sous l'eau de cette équipe de Cincinnati, qui a quand même réussi à avoir une opportunité en fin de match. Après, on est d'accord, le jeu au sol, il est performant. Lamar Jackson, qui nous fait une grosse production au niveau du jeu au sol, qui claque quasiment 400 yards à lui tout seul cumulé. Un Mark Ingram qui remarque de nouveau au sol. Et ça, c'est vrai que j'en parle pas, mais il y a quand même l'absence de Marquise Brown. Mais quand on voit ce qu'il y a en face. Ah, bah, il n'y a rien. Enfin, les lignes sont ravagées chez les Bengals. C'est juste ça que je dis. Moi, après, c'est vrai que tu vas trouver encore que je fais une crise de relativisme, mais. Non, celle-là me va. Baltimore, encore une fois, il gagne les matchs qu'il faut gagner parce qu'il y en a qui sont capables de se prendre les pieds dans le tapis sur des rencontres largement à leur portée. Coucou Dallas. Mais je veux dire, voilà, ils gagnent après avoir perdu à domicile dans un match, dans une défaite assez cuisante contre Cleveland. Ils arrivent quand même à reprendre une bonne marche en avant. Mais voilà, je pense qu'il y a encore des choses. Là, pour le coup, offensivement, je pense qu'il faut qu'ils soient un peu plus décisifs. Je vais y arriver, je vais réussir à trouver mes termes. Mais en tout cas, défensivement, ils ont été appliqués. Ils ont bien muselé Joe Mixon. Marlon Humphrey a été encore parfait au poste de cornerback pour annihiler le peu de cibles crédibles qu'avaient les Bengals. Donc non, du côté de Baltimore, pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Et comme les adversaires de division prennent les pieds dans le tapis, ils en profitent. Ils ont raison. Broncos 16, Titans 0, Marcus Mariota, on arrête aussi, c'est bon ? 7 sur 18, 63 yards, 2 interceptions, 3 quart-temps. C'est l'anti-Jameis Winston. Il y en a un qui est excitant et rigolo parce qu'il fait plein d'erreurs. Il y en a un autre qui fait plus rien. En tout cas, le coaching staff des Titans, ça n'a pas l'air d'être parti pour lui filer les clés les prochaines semaines. Parce que, donc là, Ryan Tannehill est sur le terrain maintenant. Voilà. La défense de Denver a fait son boulot pour le coup. L'attaque repose toujours à peu près sur leurs coureurs. Eux aussi doivent reconstruire leur attaque aérienne. Au moins la défense s'est réveillée. Il y a eu 7 sacs. C'est pareil, c'est pas d'un enthousiasme fou du côté de Denver. Ah oui, mais bon, 7 sacs quand même en un match, quand on a fait un seul sur les premières sorties, c'est pas mal. C'est sûr que c'est contre la O-line des Titans où manifestement il y a un contrat sur les QB cette année. Parce que là, à ce niveau-là, Oui, et puis Marcus Mariota qui est vif comme un paresseux. Donc, Mais bon, même avec Tannehill, ça a continué quand même cette histoire. On n'a pas les plus grands quarterbacks de l'histoire de la NFL. Clairement. Ah, mais ils aiment bien ça contre une équipe de Denver qui n'avait pas assez produit depuis le début de la saison et qui en plus est privée de Bradley Chubb. Je sais pas. Là, du coup, c'est moi qui relativise, mais vous enflammez pas du côté de Denver. C'était que les Titans. Falcons 33, et les Falcons s'enfoncent. Cette fois, Matt Bryant a raté l'extra point de l'égalisation en fin de match. Extra point reculé, ce bonheur, toujours, évidemment. T'étais de mon côté ou pas pour les kickers et l'extra point reculé? Je sonde. Il me semble pas, mais j'ai pas changé d'avis l'extra point manqué par Matt Bryant. Tu es de bonne foi, les kickers doivent avoir leur importance, et malgré tout l'amour que j'ai pour Matt Bryant, s'il n'est pas efficace dans les moments clés, c'est la dure réalité de la NFL. Ils doivent être exactement du même avis, Matt Ryan et Julio Jones et tous les autres dont les efforts ont été gâchés par leurs kickers. Est-ce que Dan Quinn, lui, il a toujours ton amour? On continue ou pas? 300 yards et 20 points autorisés rien qu'en première mi-temps. Aucun sac sur tout le match, aucune interception. Ouais, bah c'est ça. 5 premières séries pour Arizona et il marque à chaque fois, je crois. Tout va bien, non, mais c'est bon, le coordinateur offensif est pleinement efficace. Donc pour l'instant, je sais pas
Donc j'ai lu l'histoire comme quoi apparemment ils attendaient la bye week pour prendre une décision. Bon, bah s'ils attendent d'être à 1-7 ou à 1-8 pour se décider, sachant qu'il y a Seattle et Los Angeles qui vont bientôt arriver en Géorgie, ils peuvent, hein, mais là pour l'instant c'est quand même un petit peu dommage. Alors c'est sûr qu'ils sont restés dans le coup jusqu'au bout parce que la défense d'Arizona, notamment contre la passe, c'est une catastrophe. Donc Matt Ryan, qui va mieux je trouve depuis quelques semaines, a été pleinement efficace, avec notamment un Austin Hooper performant. Mais bon, voilà, très, très franchement, c'est un match où on s'attendait à avoir beaucoup de points et on a été servi. Ça se joue sur un détail en l'occurrence avec cet extra point manqué. Mais non, pour répondre à ta question, non, ça ne change pas mon avis sur Dan Quinn très très clairement. L'avantage au moins, c'est qu'ils ont aidé Kyler Murray à progresser. 27 sur 37, 340 yards, 3 touchdowns, pas d'interception. Les Cardinals qui continuent quand même d'équilibrer hein, leur jeu. On le rappelle, ils lançaient 45 passes par match sur les 5, 4 ou 5 premières semaines. Kyler Murray, là, il a 37, il y a 29 courses. Ça ressemble quand même de plus en plus à une équipe NFL. Non, mais... Encore une fois, c'est pas... Ils jouent Atlanta, quoi. Il joue la défense d'Atlanta, donc, mais non, mais je te rejoins à 100%. Très clairement, on avait vu déjà du mieux à Cincinnati avec ce drive où il est clutch et où il permet notamment à Gonzalez de marquer le field goal de la victoire. Là, en l'occurrence, ils vont pas s'excuser parce que en face, la défense est pas au point et voilà. Surtout que la leur est pas plus au point que ça et leur défense est incapable de stopper les tight ends adverses. Donc voilà, si offensivement ça commence à se mettre en place, je trouve que ça manque un peu moins de production sur le jeu au sol avec un David Johnson qui a été bien contenu globalement. Mais sinon, je te rejoins, Kyler Murray qui continue à se développer et à s'améliorer pour sa première année NFL. Dolphins 16, Redskins 17. Franchement, la seule chose dont je veux parler dans ce match, c'est Terry McLaurin. Il est génial, il a déjà 5 touchdowns. Adrian Peterson est immortel. Mais honnêtement, tout le reste, c'est à mettre à la poubelle et à oublier. Je sais même pas ce que. Je suis vraiment désolé pour les fans des Dolphins. Parce que j'aimerais bien hein, pouvoir parler de cette franchise et tout. Mais Ryan Fitzpatrick a failli aller chercher ce match. Mais bon, c'est Ryan Fitzpatrick, c'est fin de match. L'appel de jeu sur la conversion à deux points, il est pas vraiment compréhensible. Ah, ça, on est d'accord. Voilà, mais je sais c'est... même pas. Je sais même pas pourquoi on peut parler de cette équipe cette année, honnêtement. Et comme les Redskins sont quand même très mauvais aussi, alors c'est ouais, qu'est-ce qui nous a fait le boulot et tout, mais c'est Adrian Peterson qui porte, Terry McLaurin est là. Moi, je veux juste parler de Terry McLaurin. Je sais pas de quoi on peut parler. Alors, je te rejoins, Terry McLaurin, ça va être une des rares bonnes nouvelles de Washington. Heureusement d'ailleurs qu'ils se sont pas trompés en sélectionnant leur principal receveur de la draft, hein, parce que sinon ça aurait été un marasme encore plus important. Défensivement, il a l'air d'avoir un peu plus de bonnes choses avec les deux sacs de Jonathan Allen. Entre autres, même si en face il n'y a pas trop de répondants, non, on va dire que pour Miami, voilà, ils ont eu au moins, dans cette année qui s'annonce catastrophique, un petit moment où ils se sont dit oh putain, il va se passer un truc. Alors après, le play call, il est ce qu'il est, en effet, il y a cette screen pourrie où Kenyan Drake cafouille sa réception, mais bon, au final, ils auront vibré pendant 30 secondes entre le touchdown et la conversion à deux points, mais c'est bien triste, et en effet, contre une opposition comme celle des Redskins qui n'était pas extraordinaire. Je suis désolé, je suis ronchon aujourd'hui, je le sens. Patriots 35, Giants 14, match du jeudi. Les Patriots ont massacré un rookie, ils font toujours ça bien. Trois interceptions pour Daniel Jones. La défense des Patriots a fait ce qu'elle a bien fait depuis le début de la saison, c'est-à-dire étouffer une mauvaise attaque. L'attaque des Patriots a quand même été stoppée sur 6 de ses 7 premières attaques, avec un fumble retourné pour un touchdown et une interception. Donc c'est peut-être ça le point important de ce match. Est-ce qu'il y a du mieux dans la défense des Giants ou est-ce que l'attaque des Patriots aurait des petits soucis? L'attaque des Patriots a forcément des soucis. On rappelle quand même que leur ligne offensive, elle est quand même un peu touchée par les blessures et ça commence à se voir avec un Tom Brady qui généralement est pas trop touché. Je crois qu'il prend 3 sacs sur ce match-là, si je me trompe pas. J'ai pas la statue. Et ouais, moi non plus, je vais essayer de revérifier ça, mais il me semble qu'il y a au moins 3 sacs, c'est bien ça, ouais, sur Brady, ce qui doit pas arriver toutes les semaines non plus. Donc c'est que dans ce secteur-là. Ça commence à être un peu problématique. En plus, il a des receveurs qui sortent sur blessure également, donc ça ne doit pas aider non plus. Mais non, très clairement, la défense des Pats qui reste au niveau. Alors, tu le disais, voilà, il y a encore un quarterback en face, un bleu beat qu'ils ont réussi à maîtriser au fur et à mesure. Daniel Jones, je ne présage de rien, hein, mais bon, on voit que quand il joue la défense de Minnesota et celle des Pats, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais voilà, on va pas attendre des miracles de sa part pour son année rookie. Pas très entouré non plus. Hein. Voilà, très clairement. Mais bon, voilà, les Giants ont profité, on va dire, de une ou deux minutes où tout s'est enflammé avec deux touchdowns qui sont intervenus très très vite.
Après, voilà, il y a quand même une différence d'écart et la défense des Giants, même si elle montre de meilleures choses, pour réussir à stopper durablement les Patriots sur 4 cartons, c'était quand même un petit peu plus compliqué. C'est l'heure du répondeur. T'as pas besoin de gueuler, demande au mégaphone. Bientôt au bout du fil, tu n'auras plus personne. Yo, 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 148, 3 to the 3 to the 6 to the 9, representing the ABQ. What up, biatch? Leave it tone. Let's go Niners. Let's go Niners. Ouais, bon, ben c'est Coach Olive from La Ciotat. Bon, alors, ok, ils ont battu des équipes en bois, et encore des équipes en bois, et encore des équipes en bois. Mais bon, les Rams, c'est encore une équipe en bois, ou alors la défense de San Francisco, elle est juste monstrueuse. Allez, vivement la suite. Michel, pour ta jeune actu, what a game, what a play. Mon Dieu, Mahomes. Mon Dieu, Tariq Hill. Mon Dieu. Hi guys, it's Jan Rappaport. J'espère que vous allez bien. J'ai ma petite analyse sur la semaine qui vient de s'écouler. Avec la victoire de Washington, je vois très bien les Dolphins finir à 0-16. Eh oui, absolument. Tandis que les Niners, est-ce qu'ils feraient pas un 0-16-0? Je les vois pas aller au Super Bowl. Je pense qu'il va y avoir une baisse de régime à non pas très longtemps. Concernant les Texans, oh, very good play. Je pense que les Chiefs ont une baisse de régime assez importante, en espérant qu'ils se ressaisissent très prochainement. Et enfin, Mr. Mariota, ce fut un plaisir de vous connaître en NFL. Salut la team, c'est Titans, désolé. Bah, je suis encore désolé. J'ai quand même réussi à m'endormir devant le match de mon équipe préférée, alors que c'est quand même mon équipe préférée. Donc c'est que ça devient grave. Et à mon réveil, oh, stupéfaction, stupéfactage, stupéfaquement, je sais, toutes les façons les plus improbables de le dire, Ryan Tannehill qui remplace Marcus Mariota. Ils ont osé! La peste ou le choléra, je sais pas, la peste ou le choléra. Allez, ciao tout le monde. Bonjour, Raoul Villeroy du podcast Touchdown Actu. Je voulais m'insurger contre les attaques gratuites de Monsieur Mattei face à Philippe Rivers, qui n'est peut-être pas un Hall of Famer, mais que l'on ose qualifier de Jameis Winston du riche. Alors quand Jameis Winston fera moins d'interceptions et arrêtera de manger ses doigts à chaque match, peut-être qu'on pourra comparer ces deux joueurs qui n'ont rien en commun, tant Philippe Rivers est plus grand par la classe et le talent aujourd'hui. Et je rappelle à Monsieur Mattei qu'il faut faire attention de ne pas trop jinxer Philippe Rivers, sans quoi il pourrait bien sortir les meilleurs stats de sa carrière. Bisous. Le répondeur de la semaine avec un des membres de l'équipe qui s'est incrusté. Alors oui, Grégory, on l'a remarqué hors antenne. Évidemment, c'est le membre de l'équipe qui a le pire son dans ce répondeur. Raoul qui nous a appelé de ses toilettes, visiblement. Donc je lui ai déjà répondu d'avance. Voilà, Philippe Rivers, non pas Hall of Famer pour moi, mais on va pas le refaire. J'accepterai pas Eli Manning, j'accepte personne. Moi, le Hall of Fame, on est trois, on se fait une bouffe et on est tranquille. Voilà, c'est tout. Les tops et les flops, c'est maintenant. Ouais, je l'ai dit, je suis ronchon un peu aujourd'hui. Hein. Je suis désolé. J'étais la semaine dernière. Je suis un peu ronchon. Donc, les tops et les flops. Grégory, je te laisse commencer avec ton top. Tu me prends de court, hein, j'avais plein de flops, mais les tops. Attends, j'ai 16 ans. Ah ouais, ça, tu n'es que haine aujourd'hui. Bah, top les Jets. Allez, top les Jets qui se reprennent pour le grand retour de Sam Darnold. C'est une bonne chose. Et voilà. On se moque assez souvent des Jets, mais bon voilà, là en l'occurrence, quand ils vont chercher des succès convaincants, il faut quand même le mettre en avant. Je l'ai même pas mis en top parce que je veux pas encore les jinxer, j'ose plus en parler, j'ai peur qu'on m'accuse de les maudire et tout ça et tout ça. Il faut saluer d'ailleurs donc Latrelle qui est un de nos
nos auditeurs bien connus et notamment sur Twitter, qui a réalisé une petite vidéo nous mettant en scène, disons que j'avais maudit les Jets et tout ça. Donc, mais alors, je sais pas, je savais pas quoi réagir parce que je suis timide quand j'aime pas parler de moi. Donc, j'ai pas osé réagir, mais la vidéo est très rigolote. Et j'ai oublié un top, excuse-moi, Alain. Vas-y. J'espère que je te coupe pas l'air sous le pied, mais Kirk Cousins, je voulais en parler également. Donc, voilà. Bon retour pour le quarterback de Minnesota. Alors là, il y a toute la faction Eagles de la rédaction qui va te dire ouais, mais c'est de la faute de nos corners et pas de la faute de Cousins. Sans doute, mais ça fait deux matchs, ça fait deux bons matchs de suite, donc c'est à souligner. Pour le maillon faible de l'attaque des Vikings, comme l'avait dit Zach Brown. Alors, je te promets que c'était vraiment mon top, mais du coup, ça va tout de suite nous réconforter avec la faction Eagles. C'est que mon top, c'était Carson Wentz, 26 sur 40, 306 yards de touchdown et une interception. Et c'est un peu l'oublié de ce début de saison, je trouve, là-dedans. Je pense qu'il est dans mon top 10 des quarterbacks, si je dois le faire maintenant. Il fait des trucs exceptionnels en termes de mobilité, Il est super fun à voir jouer, et c'est vrai qu'on l'oublie un peu, je trouve, en ce début d'année. Donc j'avais envie de mettre Carson Wentz à l'honneur. C'est pour ça que j'en parlais pas beaucoup tout à l'heure quand on parlait du match, parce que je m'étais gardé pour les tops. Les flops, visiblement, t'en as plein. Ouais, j'en ai quelques-uns. Alors, on n'en a pas parlé dans le Cleveland-Seattle, donc ça me paraît assez important quand même de le mettre en avant. Baker Mayfield, on sait que j'aime bien le joueur, et bon, je ne perds pas espoir de par son mauvais début de saison, je trouve, son mauvais début de deuxième saison NFL. On sait que des fois ça plafonne pour le quarterback, bah lui il est en plein dedans. Parce que en l'occurrence, voilà, même quand la ligne offensive est meilleure, même quand ses cibles arrivent à s'ajuster un peu, il y a des erreurs de lecture que je trouve un petit peu flagrantes, des interceptions quand même un peu what the fuck. Celle de Trey Flowers par exemple, bon, c'est beaucoup attardé sur ce qui s'est passé après, mais l'interception en elle-même elle est quand même assez vilaine. Donc, bon, encore une fois, c'est un joueur sur lequel, oui, on a mis beaucoup de pression, mais c'est un joueur qui a été habitué à se mettre beaucoup de pression naturellement en college football. Donc, le fait de le voir, on va dire, se liquéfier un petit peu dans ce début de saison, ça me paraît quand même assez anormal et ça me paraît quand même être à souligner. Surtout quand on voit le bon match, ça aussi, on n'en a pas parlé, mais le bon match de Nick Chubb de l'autre côté. Mon flop tient en trois mots: Winston, Mariota, poubelle. Voilà, simple et efficace. On passe à vos questions. Les questions, Grégory, on termine l'émission en beauté comme d'habitude avec les questions de nos auditeurs. Alors j'avoue que je ne les ai pas préparées, donc hop, je prends l'article et je scrolle comme ça en temps réel. Et je vois une question de Jeff The One. La NFL est en perpétuelle évolution avec les tight ends qui sont devenus plus rapides et avec des mains de receveurs, des defensive lines ultra rapides et ou puissants, des quarterbacks de plus en plus mobiles justement pour éviter les lignes défensives. Quelle sera la prochaine évolution? Des lignes offensives aussi rapides que les défensives, des kickers capables de réussir régulièrement des coups de pied à plus de 60 yards, d'autres idées pour l'interrogation. C'est quoi la prochaine évolution majeure? C'est vrai qu'on avait déjà dit dans l'émission, je me souviens, que les linemen défensifs avaient évolué plus que les linemen offensifs ces dernières décennies, on va dire, et qu'ils ont pris un peu le dessus comme ça, et rendu l'idée que les lignes offensives étaient moins dominantes. Ouais, après je trouve que les linemen offensifs, pour couvrir quand même pas mal de drafts, je trouve que ces dernières années, ça s'est aussi pas mal développé en termes de mobilité. Mais c'est vrai que paradoxalement, à vouloir leur faire... En fait, je pense que le grand défaut des linemen offensifs ces dernières années, c'est à vouloir les rendre hyper polyvalents et efficaces contre la passe et contre le sol. On les a peut-être aussi un petit peu moins habitués à être vraiment efficaces en termes de réactivité, de manière justement d'éviter tout ce qui est bull rush, etc., etc., de plus jouer sur la mobilité plutôt que sur la solidité. Et je sais pas si vraiment c'est un poste qui va être amené, parce que les linemen offensifs, voilà, ils ont cette mobilité, on le voit notamment avec des lignes offensives qui décrochent de plus en plus, hein, donc ça en l'occurrence ça s'est développé. Donc je trouve que l'évolution des O-line, je trouve qu'elle est quand même assez présente, même si je pense qu'au niveau tackle, on devrait revenir à des fondamentaux qu'on fait le succès d'anciens tackle. Les kickers, oui, qui sont capables de taper à 60 yards. J'aime pas trop ça. Ça me paraît pas être dans l'immédiat. J'en profite pour prendre la tangente sur cette question, mais j'ai vu un article de Pro Football Talk qui expliquait que la NFL avait effectivement tué l'onside kick avec les règles mises en place l'an dernier qui empêchent l'équipe qui frappe d'avoir de l'élan en fait pour aller recouvrir, et donc physiquement en fait c'est impossible d'aller chercher le ballon 10 yards plus loin sans avoir d'élan et qu'il n'y a aucun extra point qui est passé. Et il faisait des propositions rigolotes et je me disais que c'était vraiment pas mal de dire pour récupérer le ballon après un touchdown, en fait il proposait plutôt que l'onside kick de jouer le truc sur une 4e et 15
11 ou une 4ème et 20 ou mettre un truc qui permette d'avoir une conversion à deux points et de récupérer le ballon derrière. Enfin, je trouvais qu'il y avait des idées sympas à développer, ça mériterait presque un article. Je sais pas si c'est un truc, là je t'en donne juste une, mais par exemple, plutôt qu'un onside kick, avoir, je sais pas, une 4ème et 20 ou une 4ème et 15, et si tu l'as réussi, tu peux continuer et avoir un nouveau drive. Ouais, je sais pas, j'ai pas parce que, creusé. Non, mais tu vois, dans les faits, l'onside kick étant devenu impossible, ce serait sympa de trouver un truc pour remplacer. Bah, impossible, je sais pas, après, il y en a quand même... 0 sur 16, hein, je crois, cette année. Oui, mais bon, après, faut voir comment tu les tentes, bon, après, je pense que... En fait, je pense qu'on joue souvent sur la proximité, alors que si tu la tapes vraiment en chandelle, en haut, je pense que t'as moyen de... Bon, après, c'est facile à dire, hein. je suis pas ouais. kicker NFL, ouais. mais je pense qu'on joue beaucoup sur le positionnement et sur le côté où il y a le plus de joueurs présents, alors que déjà, si tu la mets un peu en cloche, t'as le côté un peu comme sur les Ave Maria, où tu te dis, bon, bah, c'est, là, ça peut être un peu plus du 50-50, quoi, mais... Ouais, mais comme ils essaient de réduire les chocs et tout ça, moi franchement, le coup de la 4ème et 15 ou un truc comme ça, autant, alors quitte à donner plus de responsabilité au kicker machin, je trouve ça m'éclaterait. Et tu l'as donné à qui ta 4ème et 15 à l'équipe qui vient de marquer? Ouais, c'est à dire qu'ils viennent de marquer, ils ont converti, et s'ils veulent récupérer le ballon, plutôt que de faire un onside kick, tu as en gros une seule tentative en fait, et 15 yards à faire, et si tu l'as réussi, ça compte comme un onside kick réussi quoi. Et pourquoi 15? Ben, je prends un chiffre arbitraire, après voilà, c'est à nous de définir. Est-ce que tu préférerais que ce soit une première et 20? Ah, à ce moment-là, oui, sur les 20, pour le symbole de voilà, la zone un truc, rouge. Voilà, un truc un peu hardcore, hyper dur à faire, mais qui est le résultat d'un onside kick. On dit si tu le réussis, eh ben, t'as le ballon à nouveau. C'est ça que je veux, tu vois. Je trouve que ça pimenterait un peu le truc. Et ça permettrait d'avoir une chance de récupérer à nouveau le ballon, parce que les onside kicks sont de facto quasiment impossibles maintenant. Ouais, je sais pas. Je trouve que tu tends trop, tu veux trop minimiser l'importance des équipes spéciales et bon, ça reste non mais tu vois le changement de règle, encore une fois l'onside kick d'il y a 3 ans me dérange pas, mais le principe maintenant avec un départ à l'arrêt etc rend de tu balances le ballon à une équipe en face et il y a quasiment aucune chance de le récupérer, donc autant trouver une action plus drôle, plus spectaculaire et qui a plus de chances d'aboutir, même si c'est 5 ou 10%, mais tu vois une 4ème et 20, je trouve ça plus fun qu'un onside kick qui a 0,1% de chance de réussir. Bah écoute, pourquoi pas, mais je sais pas moi. Si tu me poses la question, je reviendrai sur la règle précédente, mais j'irai peut-être pas jusque là, mais il y a des gens qui jouent qui jouent leur place sur les tickets spéciaux, il ne faut pas les oublier. Oui, mais ils peuvent là pour le coup, on parlait des évolutions, le kick-off est quasiment mort et ils finiront bien par les équipes spéciales, c'est pas moi, hein, c'est la NFL, hein, qui a tué le kick-off ces dernières années. D'action où les mecs se rendent dedans à pleine vitesse, donc ça c'est appelé à mourir, hein. Question de Twix Nation, vos favoris pour le rookie défensif de l'année, Nick Bosa et Brian Bird, sont-ils une chance de rattraper un Devin Bush en feu? Et côté défenseur rookie de l'année, je vais y arriver, joueur offensif rookie de l'année, c'est difficile, Josh Jacobs, et DK Metcalf, Marquise Brown me paraissent en tête. Josh Jacobs est quand même parti sur des bonnes bases. Si les Riders en gagnent quelques-uns et qu'ils continuent à ce rythme-là, clairement, Brian Burns, c'est vrai que c'est fort, Nick Bosa, les pass rushers, c'est toujours plus flashy, clairement. Brian Burns, oui, je vais pas poursuivre ce que je disais depuis le début de la saison. Brian Burns, c'est vrai que tu l'aimes bien. J'aime beaucoup. Après, j'ai pas suivi toutes les stats des rookies défensifs, mais Devin Bush, elle a l'air assez costaud. Oui, Devin Bush, statistiquement, clairement. Nick Bosa, il faut voir. C'est encore une fois, je l'ai dit, peut-être au fur et à mesure des semaines, sur des offensives encore plus costauds à voir. Mais oui, pourquoi pas, il fait partie du top 5, à mon avis. Il reste du temps. Mister West, comment expliquer la dépression post-Super Bowl qui frappe de nombreuses équipes ces dernières années? Panthers, Falcons, Eagles, Rams. Est-ce le signe qu'il s'agissait juste d'une saison en sur-régime, de la suffisance dans la saison qui suit des coachs et des joueurs, ou une difficulté légitime à se remobiliser? On parle beaucoup d'équipes NFC. Hein. On rappelle que c'est aussi la conférence la plus relevée, la plus homogène de NFL. Donc, pour se remettre dans le sens, c'est vrai que c'est un peu moins évident. Hein. Moi, j'allais te dire ça. En fait, ma réponse, ça allait être tout le monde n'est pas les Patriots. Je crois que les Patriots nous ont habitués à un truc irréel, mais si tu regardes avant le règne des Patriots, ça tourne beaucoup sur les participants au Super Bowl. Oui, non, bien sûr. Mais au-delà de ça, là, pour le coup, les Eagles le gagnent dans les circonstances qu'on sait, avec le côté vraiment le couteau entre les dents, etc. Et bon, je pense que l'année d'après, c'était pas forcément une gueule de bois, mais on est toujours dans ce côté dont je parlais tout à l'heure, le côté un peu difficulté, je trouve, à se mobiliser, on va dire, sur des bases assez régulières.
Par contre, voilà, les Panthers, les Falcons, les Rams, ça reste des équipes qui disputaient un premier Super Bowl, qui, voilà, qui restaient relativement jeunes quand ils sont arrivés également à ce stade de la compétition-là. Et quand tu vis des gros échecs comme ceux qu'ont vécu les équipes concernées, après, il faut réussir à avoir le coach pour relancer tout ça. Et bon, en l'occurrence, je ne sais pas si Rivera, Quinn et McVay, puisqu'on parle plus précisément de ces trois équipes-là, je ne sais pas si c'est les... En termes de leadership, je ne sais pas si c'est ceux qui arrivent à te permettre de trouver l'intérêt. Je vois ce que vous essayez de faire, monsieur. N'entraînez pas Sean McVay avec Dan Quinn. Attention, hein. Bah, n'entraînez pas Sean McVay dans la discussion avec Dan Quinn. Je l'ai vu de près après le Super Bowl. Donc, je peux te dire qu'à mon avis, c'est il a dû vivre aussi mal que ses joueurs, en l'occurrence. Donc, je ne sais pas, mais Oui. Quand tu l'as vu, ouais. Ah ouais, j'ai caché les couteaux que... Bon, j'en avais pas sur moi, parce que la sécurité aurait pu... Oui, à mon avis... Je me serais abstenu de lui proposer ne serait-ce qu'une corde, hein, parce que là, sinon, les dégâts auraient été... Mais honnêtement, voilà, on sait que c'est un excellent stratège. Après, il a encore beaucoup à prouver d'un point de vue leadership. Et bon, c'est peut-être pas encore à sa portée de réussir à rebooster un groupe qui est en plus emmené par un quarterback relativement jeune. Bon, en tout cas, cette blague de Grégory vient de nous coûter notre accréditation au prochain Super Bowl. On ne plaisante pas avec la sécurité. Ça tombe bien, c'est encore Raoul. C'est encore Raoul, il va être vert. Ah non, il y a un de vos collègues qui a dit qu'il était venu avec des couteaux, on l'a pas chopé la dernière fois. Uber Hawks, le quarterback lance, la balle rebondit dans les mains du receveur, attrapé par un joueur défensif. L'interception est considérée comme une faute du quarterback, juste ou injuste. Bon, bah, évidemment, c'est pas juste, mais il faut bien que la stat existe. Robert Saleh, futur head coach. Oula. Interrogation. Superbe défenseur coordinateur au crâne luisant des 49ers. J'adore comment tout va très vite en NFL, alors que l'année dernière, on était là à le mettre sur le bûcher, et là maintenant, oui, ça c'était va être le même coach, l'an dernier, le coordinateur de Niners. Je sais pas. Et honnêtement, j'attends de voir. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un personnel qui a quand même été qui lui a quand même été donné un peu sur mesure avec des joueurs un peu plus performants. Mais en tout cas, très clairement, il a l'air de s'être ajusté et d'être un peu plus agressif dans son play call, ce qui est pas une mauvaise chose pour les Niners. Oui. Après, on peut pas non plus reprocher à un coach d'être meilleur une fois qu'on lui a donné des meilleurs joueurs. Le contraire serait plus. Moi, après, c'est ce que je dis. Il y a des coachs qui arrivent à faire des miracles, en effet, avec des escouades, on va dire, au talent relatif. Mais bon, après, voilà, faut pas non plus partir dans des extrêmes quand il a un excellent groupe à disposition. Et puis, d'un autre côté, dire, ah ouais, il est bidon, alors que, bon, le personnel est pas trop. Et pas non plus qu'à. Et pas la panacée, pour reprendre quelqu'un que je connais. Oh. Dernière question qu'il avait, une semaine sans NFL au milieu de la saison pour que toutes les équipes aient leur semaine de repos en même temps, pour ou contre? Enfin, c'est pas si bête. Pourquoi pas? Une sorte de trêve. Oui. Nous, ça nous ferait chier, mais sur le principe. Nous, ça... Bon, ils trouveraient de quoi meubler, hein, c'est la NFL. Ils mettraient un petit événement, un combine, ils diraient à la NCA, hop, filez-nous vos gars, là, on va faire une sorte de. Ils vont courir en slip pendant deux semaines, ou je sais pas quoi. Ils ont pas besoin de ça, la NCA se suffit à elle-même, ne vous inquiète pas. Dijon Niners, salut la team, question à deux balles, qui des Pats ou des Niners tomberont en premier? Le calendrier des Pats, Jets, Browns, Ravens, repos au Philly, les Niners, Redskins, Panthers, Cardinals, Seahawks, Cards. Les Niners, quand même. Je veux bien que ce soit les deux dernières équipes à vaincu. Maintenant, j'ai toujours un peu, je tique toujours un peu quand on les met sur le même plan pour dire bon, alors qui oui, entre les oui, deux oui. Bon, plus sérieusement, je vois bien les Patriots. Dijon Niners disait plus sérieusement, je vois bien les Patriots proches du 16-0 avec cette défense. Qu'en pensez-vous? Et alors, il rajoute, le Gronk pourrait revenir pour la semaine 14 plus Prelove, vous y croyez? Je sais pas d'où sortent toutes les rumeurs Gronkowski, parce que moi, on reçoit même des messages privés de gens qui nous disent « J'ai vu que Gronk pourrait revenir à tel moment, à tel moment, à tel moment. » Il n'y a rien de confirmé actuellement. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui ressemblent à des fantasmes de supporters qui doivent circuler sur des réseaux sociaux et qui s'auto-alimentent les uns les autres, parce que il n'y a aucune info confirmée. Alors, vous avez peut-être des meilleures infos que nous, j'en sais rien. Qui disent que Rob Gronkowski va revenir. Ça, c'était pour l'aparté, mais voilà. Si on n'en parle pas sur le site, il n'y a pas forcément besoin de nous envoyer des messages. Je vous jure, on n'en sait pas plus que ce qu'on a. 16-0, moi, ça me paraît un peu prématuré, sachant les problèmes un peu de ligne offensive et de blessures qu'ils ont. Je pense qu'ils en lâcheront un. Oui, enfin, je l'avais dit. Après, c'est vrai que le calendrier n'est pas non plus monstrueux. Moi, j'avais identifié comme les deux principaux matchs qui pouvaient les enquiquiner les déplacements à Baltimore et à Philadelphie. Je les vois peut-être plus. Allez, mettons vers un 15-1. 16-0, je sais pas, mais au moins 15-1. Si en effet, comme tu le disais, les questions de la ligne offensive ne sont pas résolues d'ici là.
Et puis ils s'en tamponnent, je pense, honnêtement. Ah ouais, ouais, bah. Je pense bah, encore une fois, on l'a dit, hein, 2007, je pense que ça a un peu vacciné Belichick. Ouais, ouais. Je pense qu'il fait pas. Ouais, ouais. Il y a une saison invaincue, c'est pas le, c'est cadet de ses soucis. Je me permets de reposer ma question, puisque le fait de la fin de première mi-temps, c'est-à-dire une tentative de passe finissant en fumble à 30 secondes de la mi-temps, a renforcé mon questionnement. Les performances de Mahomes et son aura influencent-ils le cahier de jeu des Chiefs? Veulent-ils revenir rapidement en prenant tous les risques plutôt que d'essayer de mieux maîtriser le match et le temps? 11 pauvres courses face aux Colts contre 39 passes tentées, 10 courses contre 35 passes face aux Texans, idem face aux Lions. Où est-ce que Andy Reid redevient Andy Reid? Oui, bah après, quand tu sais que ton quarterback est capable de faire des quasiment des miracles, oui, c'est possible que tu façonnes un petit peu ton playbook en te disant on va se garder sous le coude des appels de jeu un peu what the fuck, en se disant c'est possible qu'il arrive à les passer. Oui, c'est pas impossible. Après, bon, à mon avis, de toute façon, quand on voit les, alors c'est pas à ce degré-là, mais on le dit assez souvent, il y a des appels de jeu qui sont vraiment destinés vraiment à des fins de mi-temps, à des moments justement où il faut être beaucoup plus agressif, beaucoup plus capable de créer la confusion chez l'adversaire d'un point de vue match-up. Donc très clairement, ça m'étonne pas trop que ce soit fait avec Mahomes en l'occurrence. Allez, dernière question technique. Charlie qui disait, je parlais en commentaire sur les matchs d'hier du problème de la mesure en général en NFL. Pourquoi utiliser l'appréciation visuelle de l'arbitre en bord de touche qui place le ballon au centimètre près alors que cette précision est impossible à avoir et que ça peut jouer pour l'obtention d'un first down, voir le match Seahawks-Browns hier sur la 4e et 3 dans le 3e quart-temps où ils sortent la chaîne au millimètre près alors que la barre d'erreur est d'au moins 10 cm. Et je suis gentil, n'y aurait-il pas quelque chose à faire? La NFL travaille-t-elle dessus? Alors on parle des arbitres qui replacent le ballon assez vite, c'est vrai, parfois après une action. Est-ce qu'on fait un truc au laser? Est-ce qu'on met une puce dans les ballons? Comment on fait? C'est vrai qu'on pourrait, hein, techniquement. J'ai presque envie de te dire, vu le nombre de caméras qui est autour, on pourrait même trouver des solutions beaucoup plus simples. Hein. Mais... Tu fais appel aux caméras 30 fois dans un match et t'es pas capable de regarder exactement où s'est placé le... où s'est arrêté le joueur, où était le ballon à ce moment-là. Je pense que l'angle des caméras doit faire aussi des fois qu'on croit que l'arbitre est un peu à l'ouest. Alors qu'il doit la replacer au bon endroit où lui a vu, mais comme la caméra aplatit un peu, peut-être qu'on a l'impression que non. C'est vrai qu'il y a des fois, j'ai quand même vu. Il y a des fois où ça semble évident, en effet. Mais alors après, moi je vais reprendre ce qu'on m'avait dit la première fois que je suis allé aux États-Unis. On m'a dit c'est un pays où le très moderne côtoie le très archaïque. Ben voilà, je pense que vous avez tout. C'est vrai. Je pense que vous avez tout sur la NFL à ce moment-là. Il y a deux dernières questions qu'on va pas faire ici, mais je remercie parce que ça fera des thèmes de fauteuil. Il y avait une question de Dirty Fighter qui disait, question autour d'Adrian Peterson qui vient de faire un match à plus de 100 yards. Quel est votre top 10 des running backs de l'histoire? Où situez-vous Adrian Peterson? Y a-t-il eu des running backs plus forts qu'Adrian Peterson ces 15 dernières années? Je ferai un fauteuil là-dessus, je me le suis noté, je me suis fait un petit fichier. Et il y avait une question de Juju, je la retrouve. La trade deadline est dans 15 jours, quels sont les trades les plus probables à venir? Quels sont les trades que vous aimeriez voir? On fera un truc ce dimanche dans le fauteuil et puis je regarde les running backs. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit, désolé. Quel dommage. On en reparlera, ça va arriver là, on est que dans les rumeurs. Allez, donne-moi un nom, tu veux voir qui est changé? Je sais pas si je veux le voir échanger, mais Jalen Ramsey et Melvin Gordon, je peux mettre une pièce. Hein. Allez, une pièce sur Jalen Ramsey et Melvin Gordon. Alors, c'est comme ça que se termine l'épisode 312 du podcast Jean Actu. Merci beaucoup, Grégory Richard. Toujours un plaisir. Je suis désolé, t'as dû me supporter. Ouais. Aujourd'hui, j'étais un peu renfrogné. C'est peut-être mon coup de barre de semaine 6. Je commence à encaisser le décalage de sommeil et tout ça. On vous rappelle que l'émission du mardi vous est présentée cette année encore par le Hard Rock Café Paris. Tous les dimanches, c'est soirée Game On au Hard Rock Café, Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs, Beer Bucket, 6 bières pour le prix de 5. Et évidemment, tous les matchs, n'hésitez pas à y aller. C'est tous les dimanches au Hard Rock Café Paris. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Pour nous suivre, c'est sur les réseaux sociaux d'abord, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchDunActu en entier, Grégory @Yellowradiosa sur Twitter, moi-même @AlainMatei et le reste de l'équipe @RaphaëlTDA, @Raphaël_TDA, pardon, @RaoulVDG et @CamilleSarabène, on les salue bien évidemment. Pour le site, c'est le principal, n'hésitez pas à y aller, tdactu.com, pour faire plus court, TouchDunActu.com en entier bien évidemment. Voilà pour le débrief de la semaine 6, déjà le temps file, merci beaucoup encore Grégory. Et puis on se retrouve jeudi, ce sera avec Raoul Villeroy. Voilà, voilà. Bonne semaine à tous. On se quitte évidemment en musique avec le générique signé Kickban, qu'on remercie encore. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel est
stories auto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on file.